Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, première vidéo de l'année et on commence par du lourd, le sujet dont tout le monde parle, l'énormissime ouverture des Terres du Roi du KVK du 1365. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre en 2024 sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis, vous ne pouvez pas le rater. Avant tout les amis, je vous souhaite bien évidemment une excellente année 2024. Plein de loot in-game, mais surtout plein de réussite, de succès et de bonheur dans la vraie vie. Il n'y a que ça qui compte pour vous et vos proches. Profitez, les amis, de chaque journée de cette année. Elle sera, je l'espère pour vous, énormissime et colossale, les amis. Les amis, donc, je vous le disais, on commence par cet énormissime KVK, celui du 1365, le 1365 dernier énormissime Imperium, on dit, avec autant d'alliances de si haut niveau, j'en suis pas persuadé, parce que le 1093 reste très lourd, et comme promis, je vous ai fait un record de l'ouverture des portes des terres du roi, vous allez voir, c'était du très lourd, et on ira voir la situation in-game, avec l'avantage aussi au positionnement, vous allez voir, Lilith aide quand même certains camps. Regardez donc ce qui s'est passé durant cette ouverture, j'ai commencé à record, quelques minutes avant l'ouverture, justement, vous le voyez, on était 8 minutes avant et petit récapitulatif des forces en présence. On le voit sur cette première porte, hein, celle des Weeb, vous voyez où je suis positionné, hein, je suis sur la Havane. On a donc le 1846 sur cette zone, grosse présence du 1846, hein, très présent avec toutes ces alliances, hein, notamment les Sin et les Weeb, les Sin. B, vraiment du lourd, les RIS également. Sur ce côté-là, le 1846, 10 minutes avant l'ouverture des portes, hein, était prêt. Sur la seconde porte, qui est plus loin, moins de présence, c'est normal. C'est la porte qui est plus éloignée de l'adversaire, puisqu'on est sur un bloc du sud, hein, contre un bloc du nord. Cette deuxième porte-là n'a pas beaucoup d'enjeux, excepté pour passer avec une seconde alliance, hein, et pas avoir de coupure de territoire. La troisième porte, hein, n'a pas énormément d'enjeux, mais il y a quand même du monde ici du côté du camp haut qui regroupe le 1079, le 1175 et le 1188. Il y a un petit peu de monde. Regardez la porte qui est face à face, celle-là, hein, la porte sur le côté gauche donc. Et c'est là qu'on a masse monde du côté du camp water, du côté du camp haut. On a évidemment une très grosse présence du 1188, mais pas que. Hein. À gauche, le 1188. À droite, le 1079. Hein, et juste en bas, les Mimi, le 1175. En face 2, le 1365. Énormissime 1365. Et pendant un temps, j'ai cru que c'était la porte où il y allait avoir le plus de monde. Ça a l'air d'être bien compact. Il suffit de regarder. Regardez combien de temps reste à paraître. Les noms qu'on reste apparaître, ça veut rien dire, combien de temps mettent à apparaître tous les noms, hein. Il y a l'air d'avoir du monde, regardons cette seconde porte, évidemment il y aura beaucoup moins de monde, hein. Pas d'enjeu sur cette porte. Les deux dernières portes, la première du 2489, hein, notre ami Baba est faux, pas énormément de monde, c'est normal, c'est pas la porte la plus stratégique et celle-là qui est justement la porte stratégique. C'est là qu'il y a masse monde. Alors, je me suis demandé où il y avait le plus de monde. Et c'est simple à voir. Regardez, il suffit de compter. Voyez combien de temps ça dure. Les noms qui apparaissent, là, ils n'apparaissent plus. Parce que même s'ils sont en Murder Ball, les noms mettent un certain temps à apparaître. Je pense que c'est ici, du côté du 1365. Regardez, on va zoomer. Et vous allez voir pendant combien de temps les noms continuent d'apparaître. Regardez, ça dure plus longtemps. Hein. Ça met un certain temps à afficher tous les noms. C'est ici, selon moi, que ça a mis le plus de temps à apparaître. Petite astuce, hein, gratuite pour commencer 2024, il suffit de compter en fait en secondes. Hein. Vous pouvez chronométrer et tant qu'il y a des noms qui apparaissent, même s'ils sont Murder Ball, c'est que c'est là qu'ils sont le plus nombreux. J'ai fait le même exercice sur toutes les portes. Et effectivement, c'est du côté du 1365 qu'il y a le plus de monde présent. Alors encore faut-il réussir à avoir sur un seul écran, hein, toutes les troupes si vous êtes sur PC, c'est plus facile. La porte va ouvrir dans 14 secondes, 13 secondes. Alors, on est passé en vitesse x2, au cas où vous le demandez. Et évidemment, je me suis dit, comment va-t-on faire pour voir qui va avoir la porte en premier? Ben, ça va être très simple. Regardez, ils n'en lancent même plus de rallye, les mecs. Les rallyes sur les portes, hein, c'est pour les faiblards. Là, ça swarme les portes. Et je me suis dit, est-ce que le camp haut est le seul à swarmer la porte?
On va le voir très rapidement. Dès que cette porte va être prise, je vais aller voir les autres portes. S'ils ont lancé un rallye, elles ne seront pas prises. Elles n'auront même pas commencé. S'ils ont soit armé, eh bien, soit elles seront juste, tout juste prises, soit elles vont l'être. Hein. Les barbares vont être ceux qui tiennent la porte. Vont être très low. Alors ça sort massivement, regardez, de l'autre côté, hein. Mais pareil, ils ont pris la porte en même temps, donc il n'y a pas de mystère, ils ont swarmé la porte. Du côté du 1846, je galère un peu à retrouver la porte, pareil, vous le voyez, hein, tous ces points blancs, et le dernier côté, 2489, tout le monde a swarmé la porte, c'est très clair. Regardez au niveau du positionnement du terrain, hein. Le 2489 a la porte tout de suite bien positionnée alors que le 1846 est sur le côté. Donc avantage sur le positionnement de la map au 2489. Gros avantage et regardez cette ligne sans fin de nombre de troupes qui sont envoyées par le 2489. De l'autre côté, hein, le 1846 hein, doit lui passer sur le côté donc il met beaucoup plus de temps. Donc en termes de stratégie, c'est plus compliqué pour le 1846 hein, qui lui doit faire un premier jump avant de passer la porte. C'est moins simple, plus de facilité de la part donnée par Lilith hein, sur le 2489. On va dire oui, c'est au hasard. Bon, pour le coup, il devra mettre toutes les portes face à face. Comme ça, il n'y aurait pas de discussion. Et forcément, les premiers joueurs arrivent après les premiers drapeaux posés, puisqu'ils ont mis artisans compétents. Donc, les drapeaux se construisent en quelques minutes à peine. Encore faut-il réussir à les remplir. Sachant que vous allez voir hein, les premiers joueurs, les plus gros joueurs, lâchent des TP aléatoires pour se retrouver aux meilleurs endroits au front. Ils en lâchent une dizaine, une quinzaine. Ça peut aller même jusqu'à une cinquantaine, jusqu'à atterrir au bon endroit, vous le voyez, on voit déjà des villes. Et là, pareil, hein, du côté du 1365, vous voyez, il y a même un whip qui est ici. Il y a un 1188 bien positionné, il y a un autre whip qui arrive là. Là, c'est un 2489, hein, un VC qui arrive. Bref, ça reste un beau bordel. Et vous le voyez, ils sont sans alliance, tout simplement, car ils quittent l'alliance une fois qu'ils sont TP une première fois dans les terres du roi, puisqu'ils ne veulent pas en ressortir. Ça leur donne la garantie de rester sur les terres du roi. Donc, première grosse zone de combat. On va s'intéresser d'abord au 1365 face au camp haut. Puisque c'est là que ça va jouer, à mon avis. Et on a deux Murder Ball qui vont se positionner. En théorie, le 1365 devrait réussir à les repousser et les éclater. On va bien voir ce que ça donne. Regardons le nombre des... Encore un TP aléatoire qui arrive, un VC. Regardons le nombre de troupes qui repartent au nord et le 2 Smiley qui font la gueule, qui repartent au sud également. Pour le moment, on en voit pas mal qui partent au nord hein, et très peu qui repartent au sud. On en a à peu près, je dirais, à 1 pour 3. Quand on en voit un sortir au sud, on en a 3 qui repartent au nord. Donc, traduction, ils prennent 3 fois plus cher le 1365 que le camp haut. On va vite le voir, ça va se traduire sur la suite des combats. Alors, ils sont tous évidemment buffés comme des porcs. Merci de m'avoir donné le coup du buff. Là, c'est 500 gemmes, ne le claquant jamais, puisque je suis jamais en position droit. Hein. J'avais oublié le coup. Donc, on le voit bien. Là, ça repart au nord. Regardez au nord comme ça repart massivement. Ils prennent une petite raclée, là, le 1365. Sur cette première phase de jeu, mais évidemment, les terres du roi, il va falloir tenir très longtemps. Au niveau des binômes, regardez également, on retrouve des Gorgos, beaucoup de Liuche, des Devski, des Scipio, des HQ. Je dirais que celui qui est le plus présent, ça serait Nevski, suivi de, j'hésite, entre HQ et Liuche. Qu'on voit également très présent quelques Boadicé, un pauvre Henri V qui s'est perdu, quelques Zugliang aussi, mais très peu. Regardez au nord comme ça repart massivement. Ils se font vraiment déboîter, là, le 1365. Alors au sud, ça part aussi, mais beaucoup moins qu'au nord. On a l'impression que c'est vraiment une hémorragie. On va le voir de toute façon, si par la suite, alors évidemment je connais la réponse, mais si par la suite on le voit que le bloc du sud arrive à monter vers les portes du nord, qu'on commençait à poser un drapeau, vous le voyez le petit terrain en pointillé haut à gauche, c'est le 1365, donc on est plus proche du territoire du 1365, le territoire au nord, tant le 1365 que le 2489 ont un très gros avantage de positionnement donné par Lilith, hein, puisque en un jump et en une porte bien placée, ils se retrouvent directement au bon endroit. Et regardez, ils peuvent directement poser un deuxième flag, puis un troisième flag. C'est quoi l'incidence hein, de ça? C'est qu'après, les troupes se battent sur leur territoire. Donc forcément, ils ont tous les bonus de territoire, alors que le camp haut va mettre beaucoup plus de temps à arriver là. Et regardez cette masse.
Petite mention spéciale hein, quand même au client blessé qui ne crache pas, qui lag un petit peu, mais comme je suis en vitesse x2, vous ne le voyez pas, mais il n'y a pas de freeze, il n'y a pas de crash, c'est plutôt très très propre et vous le voyez. Alors là, ça donne l'impression que ça repart massivement au sud, mais ça repart bien plus au nord. Les drapeaux continuent d'être posés et là, petit raté du côté du camp haut. Hein, ils ont mis un certain temps avant de reposer ce drapeau. Ils ont perdu quelques secondes, mais à ce stade du jeu, quand les drapeaux mettent quelques minutes à peine à être posés avec artisan compétent, chaque seconde compte. Regardons, vous le voyez, un gros positionnement du 24-89, un gros avantage de position qui en un simple jump peut se rapprocher du drapeau du 18-46. Hein, et donc on a une très grosse zone de combat et dans cette ouverture, avantage au 24-89 sur le 18-46. C'est mon analyse de cette ouverture. Si vous en avez une autre, n'hésitez pas à me le dire. Et du côté du camp haut face au 1365, avantage. Au camp haut, vous allez le voir, le camp haut arrive à repousser le 1365. Regardez, c'est la fuite carrément du côté des 1365. Et le camp haut arrive à remonter progressivement pour se diriger où ? On va suivre où cette masse se dirige. Hein. Le 1365 fuit littéralement. Et les mecs vont se retrouver où ? Regardez, hein, ça se shield quand même parce que là, si le mec n'était pas shield, il prendrait directement un swarm vu la masse. Hein. Les mecs, il leur est zéro. C'est des ouf ces joueurs-là. Pour les méga baleines, ils s'en foutent de prendre quelques dizaines de millions de morts, hein, de puissance en moins plutôt. Ils s'en foutent de ouf, donc il leur est swarm. On continue à suivre. Regardez, je suis revenu et je me dis, tiens, on n'arrive plus à les retrouver. On va voir d'abord ce que ça donne du côté des Weebs parce que c'était très chaud. Et vous le voyez, hein, les Weebs se font repousser avec un gros risque hein, sur leur flag puisque leur premier flag brûle déjà. Ils n'ont pas réussi à le renforcer. Avantage en positionnement hein, du terrain au 24-89. Est-ce que ça va durer? On ira voir la situation à l'instant T. Mais dans les premières minutes, voire dizaines de minutes de l'ouverture, un petit avantage au 24-89. Et je vous avoue qu'à ce stade-là, quand je suivais l'ouverture, j'ai eu très peur pour le 18-46. Là, ça continue de monter du côté du camp haut contre le 13-65. Et regardez, je me suis dit, tiens, où est la Murder Ball? Eh bien, les mecs sont directement devant la porte des JST. Et je me suis dit, si le camp haut arrive à tenir devant la porte, et regardez, hein, là, ils se font corriger le 13-65. S'ils arrivent à tenir devant la porte, hein, c'est clairement terminé pour le 13-65. Ils n'arriveront pas à repasser pour le moment si, encore une fois, ils arrivent à arriver suffisamment vite avec les flags. Heureusement pour nous, pour la beauté de ce KVK, et surtout pour le 13-65, hein, eh bien, pour une raison que j'ignore, regardez, ils vont décider, le camp haut, de reculer, peut-être parce qu'ils perdaient, peut-être parce qu'ils ont commencé à être en infériorité, mais regardez, les troupes s'en vont sans perdre, hein, je ne sais pas pourquoi elles se retirent, et donc, ils vont de nouveau dégager cette porte, alors je pensais qu'ils allaient vraiment rester et les bloquer. Si vous êtes sur ce KVK, Koala par exemple, n'hésitez pas, ou Astic, il y en a plein qui sont sur ce KVK, n'hésitez pas à me dire pourquoi le camp haut est parti comme ça et s'est retranché. Peut-être n'arrivait-elle pas à tenir tout simplement, mais ils avaient l'air quand même d'être en position de force. Alors forcément, quand les joueurs se sont retirés massivement, eh bien le 13-65 a push, forcément sans surprise, ils ont réussi à ressortir et ils reprennent l'avantage sur cette zone-là, et puis après, ils vont redescendre et aller se repositionner au sud tranquillement, juste pour tenir au niveau de leur flag. Alors oui, ça pleure, mais ils ressortent massivement. J'ai quelques rapports, les amis, un notamment, une défense de flag à vous montrer. Et c'est vrai que je vous disais dans une précédente vidéo que je ne comprenais pas pourquoi le 1365 prenait aussi cher sur certains flags et je demandais justement de me partager plus de rapports, et bien ça continue les rapports que je vois, le 1365 prend clairement ultra cher. Donc regardons ce premier rapport et après on va aller voir la situation telle qu'elle est actuellement. Regardons donc ce rapport, merci Barbe Douce hein, de me l'avoir partagé. Regardez, c'est un rallye qui a duré à peine 4 minutes, hein. Pourtant c'est très rapide, c'est une défense de flag par les OG et regardez, ils prennent super cher, ils prennent en défense avec Heraclius et YSS,
moins 12,9 millions contre Henri V Zhuguliang, moins 3,8 millions. On a 1 282 000 morts du côté des OG quand on a 429 000 seulement du côté des VL du camp O. Donc c'est clairement une grosse correction. Et puis je vous parle même pas des à côté, hein, moins 1,1. Ils prennent ultra, ultra cher les OG. Je ne comprends pas une telle différence. Rendons-nous sur le KVK, justement, hein, sur le flag en question qui était en train d'être défendu. Il n'est plus là, ce flag. Hein. C'est clairement une occupation du territoire par le camp O. Et regardez donc les couleurs. Le camp O, comme je vous le disais, a réussi à repousser. Il avait l'avantage. Hein. Les OG, ils entourent, hein, presque la moitié intégralement. On va voir le détail après. La moitié de la grande ziggourate. Du côté des WIB, c'est plus chaud. Et regardez, ce que je vous disais, avantage au placement. Je ne comprends pas pourquoi Lilith fait ce genre de conneries. Regardez, les deux portes du 1046 sont sur le côté. Quand la porte du camp du 2489 est tout de suite là. Donc eux, c'est super simple. Ils ont que ça à faire. Et ils peuvent même faire un jump directement. Donc ils ont un double avantage. Lilith devrait avoir une tour ici, une barre ici, un mur qui fait que c'est justement le camp qui n'a pas la porte là, peut au moins faire un jump. Parce que si on regarde de l'autre côté, hein, eh bien c'est beaucoup mieux positionné. On a l'hôtel des ténèbres qui est là, et encore un petit avantage, hein, au GST qui peut faire un jump et gagner encore en terrain. Mais au moins, les deux portes sont face à face. Donc clairement, c'est pas terrible, hein, ce positionnement de map, hein, par Lilith. Regardons donc d'abord du côté des WIB, je vous l'ai dit. Ils étaient en train de manger cher et j'ai eu peur pour eux sur cette zone-là. La grosse zone de combat est là. Est-ce que ça brûle du côté du flag des WIB? Ça a brûlé, mais c'est en réparation. Du côté du 2489, qu'est-ce que ça donne? Donc le 2489, ça a brûlé, mais c'est en réparation. Donc, c'est plutôt équilibré du côté du 24-89, oui, face au 18-46. Ça se passe plutôt pas mal. Est-ce qu'on a des forteresses qui brûlent? Est-ce que, à qui est ce drapeau, par exemple? Il est au site B. Non, ça ne brûle pas davantage. Est-ce qu'ils en profitent pour essayer de faire une percée ici, le 18-46, et faire brûler les forteresses? Non, ça ne brûle pas non plus parce qu'ils pourraient faire les sournois en utilisant justement, et ça a brûlé, hein, ils ont attaqué la forteresse d'Alliance des 89 VC et celle des 89 T. Est-ce qu'elle a brûlé? Non, elle n'a pas brûlé. Donc, pour le moment, je dirais ex aequo, statu quo sur cette zone-là. Qu'est-ce qui brûle ici? Ici, c'est toujours en réparation. Oh, il y a une ville qui a brûlé, regardez. Il y en a un qui a pris un rallye. Lui, c'est fini. Le KVK pour lui, il est tombé à 37 millions. Il s'est fait zéro, le pauvre, de l'autre côté. Est-ce qu'on a des autres drapeaux qui ont brûlé? Non, on n'a pas d'autres drapeaux qui ont brûlé de ce côté-là. Maintenant, on s'attarde à l'énorme camp haut. Que c'est lui qui fait un énorme job, même si le 18-46, hein, tient la baraque, hein, sur ce côté-là. Le drapeau des JST, ça brûle. En face, leur adversaire, ça ne brûle pas du tout. Très, très solide. Le camp haut, franchement, c'est oufissime ce que le camp haut est en train de faire. Cette triple alliance de royaumes, je ne sais pas pourquoi Lilith a fait ça, a mis ces trois royaumes ensemble. Mais en tout cas, ils sont en train de mettre une petite leçon. Ça, ça doit brûler. Ouais, c'est en réparation. Mais ça a brûlé. Le 18-46 a la chance d'avoir un allié énorme. Et là, c'est en feu. Franchement, ils vont plus toucher la ziggourate, hein, d'ici ce soir. Quand vous verrez cette vidéo, je pense que les JST ne toucheront plus du tout la ziggourate. Ça brûle. Ça va brûler encore après. Là, ouais, il la touche quasiment plus. Il la touche encore un tout petit peu ou plus du tout. Non, il la touche déjà plus. Il la touche un tout petit peu peut-être ici. Non, ils ont en tout cas une zone de jointure avec leur allié. Est-ce que là, ça brûle? Non, ça brûle pas parce qu'ils n'ont pas encore le flag qui est posé. Mais il est en train d'être construit. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller aider à présent? Et là, ça construit pour qui? Là, c'est un drapeau des BLN qui est en feu. Le dernier flag. Vous voyez là, par exemple, le 1846. Devrait faire gagner du temps au camp haut, à leur allié, pour qu'ils le suppriment et ils leur laissent poser tout de suite le flag pour qu'ils puissent avancer et venir les aider. De ce côté-là, le 2489, hein, eh bien, lui, il va être en PLS puisqu'il va manger aussi la vague du camp haut. Et je pense que ça va être très, très tendax, hein, même s'ils viennent au premier rang. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est juste pour bloquer le terrain.
qu'ils mettent ça. Ok, ils vont, à mon avis, manger une vague, justement, du camp haut et prendre très cher. Donc, gros avantage au camp du 18-46 et du camp haut sur cette ouverture des terres du roi. Vous le voyez, hein, ils entourent pratiquement tout. Je pense donc que ça va se finir très simplement avec le camp haut qui va repousser ici sur cette zone de porte 8 hein, et couper l'accès déjà premier au JST au 1365. Il restera la deuxième porte, hein, heureusement pour eux, qui est ici. Et ils vont finir d'entourer et de l'autre côté, ils vont aller shooter, soutenir avec le 1846. Hein. Ils vont soutenir l'attaque contre le 2489 et le 2489 va se faire passer dessus même si le 1846 hein, tient. Je dirais c'est 60-40 sur ce côté-là, 60 avantages, 60% au 24-89, 40% pour le 18-46. Et sur ce côté-là, le côté du camp haut face au 1365, franchement c'est du 80-20, 80% d'avantages hein, au camp haut qui fait un énormissime job. Est-ce que 2024 va signer la fin dès ce mois de janvier du 1365? Est-ce qu'ils vont se remettre de cette défaite, si jamais ils viennent à perdre? Est-ce que le camp haut en profite également pour shooter de ce côté-là hein, les forteresses? Non, pas du tout, puisque elles sont à 100%. Est-ce qu'à l'inverse, le camp des JST? Oui, le camp des JST en a profité pour attaquer la forteresse de leurs adversaires, hein, mais ils n'ont pas réussi à les détruire. Elles sont en réparation, ça a tenu, ils ont réussi à défendre des deux côtés, parce que ça pourrait être une technique de fourbe. Hein. On a vu beaucoup de royaumes le faire et gagner grâce à ça. Voilà les amis pour cette première vidéo de l'année et l'énormissime KVK du 1365, du 2489, du 1846, du 1188, du 1175 et du 1079. Plus gros KVK en ce début d'année facile puisque c'est le seul énorme KVK en cours. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite une nouvelle fois une excellente année 2024, les amis. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock.